Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2687 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec la une du journal L'Équipe aujourd'hui en ce jeudi 23 novembre 2023 et ça parle en gros du contrat CVC. Bon, je comprends pas trop ce que c'est tout ça, contrat CVC, mais ça fait la une aujourd'hui de ce journal L'Équipe, hein, les secrets de l'accord financier controversé entre la LFP et CVC qui est un des plus gros fonds d'investissement au monde. Voilà, donc voilà, hein, ça fait la une aujourd'hui de ce journal. Et concernant Vincent Labrune, a touché plus de 3 millions d'euros suite à l'accord entre la LFP et CVC. N'oubliez pas que Vincent Labrune, c'est le président de la Ligue de football professionnel. Et voilà, il a touché comme un gros pactole d'argent grâce à l'accord entre la Ligue et ce groupe, hein, CVC. On continue les gars, on va parler du Sénégal qui exige la disqualification de la France au Mondial U17 après l'imbroglio Issoufou. Je vais vous dire ce qui se passe parce que vous savez que la France a battu, c'était hier, le Sénégal au tir au but. Du coup, la France U17 a qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde U17. Mais le Sénégal veut tout simplement que la France se fasse disqualifier. Pourquoi? Parce qu'il y a ça, les gars. Ça, c'était une info avant le match contre le Sénégal, hein. Donc, l'équipe de France U17, pour être disqualifiée de la Coupe du Monde, pourra faire jouer Yanis Issoufou alors qu'il a disputé les qualifs de la compétition avec le Niger. La FIFA interdit les joueurs de jouer pour deux sélections lors d'une même compétition. Il pourrait saisir l'affaire. Les adversaires des Bleus sont également dans le droit de déposer une réserve. C'est ce qu'est en train de faire tout simplement l'équipe sénégalaise. En attendant, les Bleus donc affrontent cet après-midi le Sénégal. Donc j'ai dit, ça c'était une info hier avant le match. Et du coup, c'est pour ça que le Sénégal espère tout simplement. Regardez, ils ont mis un communiqué officiel, la Fédération Sénégalaise de Football, où ils ont dit à peu près tout ce qui s'est dit là, juste avant, que la France a fait jouer ce joueur qui n'avait pas le droit de jouer tout simplement. Et du coup, peut-être la France, pour être disqualifiée, ce qui voudrait dire que le Sénégal serait qualifié. On en saura beaucoup plus. N'oubliez pas que la France, normalement, doit jouer son quart contre l'Ouzbékistan. C'est samedi à 9h30 du matin. Donc là, on est jeudi, donc ça peut être aujourd'hui la décision. Demain, on verra. Voilà maintenant ce que va décider tout simplement la FIFA, qui va examiner, bien sûr, la demande du Sénégal par rapport à cette disqualification, peut-être de l'équipe de France. Bref, on continue avec un supporter marseillais, entre guillemets, un supporter. Pourquoi? Parce qu'il est accusé d'avoir caillassé le bus lyonnais et copé de 4 mois de prison avec sursis. C'est pour ça qu'on ne peut pas appeler cette personne supporter. Parce que quand tu balances des pavés, des gros cailloux sur le bus des supporters ou même de l'équipe adverse, t'es pas un supporter de football, t'es totalement à l'inverse, on peut dire. Donc il est également interdit de stade pour 3 ans. Donc voilà, concernant cette affaire qu'on a beaucoup parlé là ces dernières semaines. Paolo Maldini révèle que l'AC Milan a tenté de signer Lionel Messi. Quand Maldini était le directeur sportif de l'AC Milan, il a dit que Milan essayait de faire Messi. Pendant 10 jours, on a essayé de faire venir Léo Messi à Milan, mais on a ensuite réalisé que c'était tout simplement impossible. Maintenant, c'est trop tard pour nous, mais un joueur comme Messi est un spectacle pour tout le monde. Quand j'ai lu qu'il pourrait aller à l'Inter, j'ai eu peur. C'est qu'à un moment, les gars, bon, je sais plus c'était quand, avant qu'il, je crois, qu'il rejoigne le PSG, donc il y avait des rumeurs qu'il aurait pu rejoindre l'Inter Milan. Et du côté de Milan AC, on flippait, parce que voir Messi à l'Inter, du côté de l'AC Milan, ça n'aurait pas été une bonne nouvelle. Mais bon, il n'a jamais du coup signé en Italie. Léo Messi, il est plutôt venu à Paris, puis après on sait qu'il est parti du côté de l'Inter Miami. On continue, regardez les gars, avec le groupe, le site Opta qui fait pas mal de stats, tout ça. Donc il donne le pourcentage de chances des équipes qui ont le plus de chances en gros de gagner la Première Ligue. Après 12 journées de Première Ligue, c'est City, les gars, ils ont 84% de chances de remporter le championnat alors qu'on est seulement, en début de saison, seulement 12 matchs, ils ont déjà 84% de chances. Liverpool, seulement 9%, Arsenal 5%, Tottenham, qui est leader comme depuis le début de la saison, bon là il reste sur deux défaites lors des deux derniers matchs, 0,3% de chance de gagner la Première Ligue. Aston Villa 0,2%, et voilà, City 84%, c'est que c'est les grands favoris, quand on voit l'équipe comment ça joue tout ça, ils ont fait le triplé saison dernière, c'est que c'est les grands favoris pour remporter la Première Ligue ou même tout simplement la Ligue des Champions. Marvin Martin, il revient les gars par rapport à cette une, parce qu'un jour il avait marqué un doublé, donc voilà, le journal Le Parisien a mis, est-il le nouveau Zidane, parce que Marvin Martin s'est offert un doublé mardi soir lors de sa première sélection en bleu, une performance qui lui vaut déjà d'être comparé à Zidane. Ils avaient mis ça déjà, la une, journal Le Parisien, avec est-ce que c'est le nouveau Zidane alors qu'il vient de mettre un doublé lors de son premier match en bleu. Bon, c'était il y a quelques années, c'était en 2012, enfin 10 par là, voilà, vraiment dans les, il y a pas mal d'années, bref. Donc il a dit être comparé à Zidane, c'était trop,
j'avais déjà fait plusieurs années en Ligue 1, mais la comparaison était énorme. Je me suis renfermé sur moi-même. Ça m'a plus desservi qu'autre chose. En gros, ça lui a fait. C'était pas du tout une bonne nouvelle pour lui déjà qu'il y a des mots, enfin qu'il y a des titres comme ça qui est comparé par rapport à Zidane. Ça lui a mis trop de pression en gros par rapport à la suite de sa carrière. Casemiro envisagera un départ à cause de difficultés d'adaptation et de blessures. N'oubliez pas qu'actuellement il est blessé, Casemiro, et il peut potentiellement quitter l'équipe de Manchester United qui sera tiré par l'Arabie Saoudite, ou bien sûr un contrat XXL pourrait être pour lui du côté de cette ligue. Jusqu'à 15 joueurs pourraient quitter Manchester en 2024. On a parlé peut-être de Casemiro, mais aussi plein d'autres joueurs. Donc Sancho devrait être le premier à partir. Donc dès janvier, normalement Sancho, ça sera fini. On annonce beaucoup du côté de la Juventus, mais voilà, beaucoup de joueurs, plus de 15 joueurs pourraient quitter Manchester, que ce soit en janvier prochain ou l'été prochain. Je pense à Sancho, je pense à Anthony Martial aussi, je le vois bien quitter l'équipe de Manchester, puis plein d'autres joueurs aussi pourraient faire pareil et quitter cette équipe. Est toujours à Manchester, et certains joueurs de Manchester pensent que Erik ten Hag est responsable du mauvais début de saison de l'équipe. Ils considèrent que le technicien a surmené l'équipe en pré-saison, et c'est peut-être pour ça tout simplement que l'équipe a un peu du mal là en ce début de saison. On va parler d'Oscar Mingueza, ancien joueur du FC Barcelone. Donc plusieurs clubs italiens sont intéressés par le défenseur Oscar Mingueza. Donc le Barça récupéra 50% cas de vente. Quand il avait quitté le Barça pour aller au Celta, ils avaient mis une clause de 50% sur un futur départ. Donc voilà, il y a plusieurs clubs italiens dont les noms n'ont pas filtré qui sont intéressés par le défenseur Mingueza. Matteo Tognoz, ancien responsable du recrutement de la Juventus, a révélé avoir été tout proche de signer Jude Bellingham et Erling Haaland. Donc nous allons parler de l'AC Milan qui avait failli signer Messi. Bon, ça s'est pas fait, mais là aussi la Juve aurait pu faire deux gros coups. Erling Haaland et Jude Bellingham, du coup aucun signé du côté de la Juventus Turin. José Mourinho, je pense qu'un jour je rejoindrai la Saudi Pro League, je pense que je vais y aller entraîner, oui, mais ça ne sera pas demain ni après-demain. Donc voilà, peut-être un jour il ira entraîner un club saoudien, ce sera peut-être son dernier gros contrat à niveau salaire, je pense qu'il pourrait toucher le jackpot, mais pas pour l'instant. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat avec l'AS Roma en fin de saison, et normalement il devrait quitter l'équipe de l'AS Roma, mais ce serait pas pour aller en Arabie Saoudite, mais plutôt encore rester en Europe. On verra, ça sera quoi son futur. Peut-être, pourquoi pas, du côté du Real. Si Ancelotti venait à quitter le Real Madrid, ça peut être un candidat pour remplacer Ancelotti, bien sûr, s'il venait d'aller au Brésil. Jimmy Briand sur cette photo avec Cristiano Ronaldo. Donc, on jouait en U16 lors du championnat d'Europe. On était l'un contre l'autre. C'était un Euro U16, en gros. À la fin du match, à l'hôtel, il avait cherché ma chambre pour me demander mon maillot. C'était une photo assez sympa qui ne nous rajeunit pas. Donc, voilà, c'était quand même Ronaldo, les gars, qui avait fait une recherche tout simplement pour chercher Jimmy Briand et échanger son maillot. Portugal 7, c'était les deux numéros 7, équipe de France et portugaise. Donc voilà, c'était pas Jimmy Briand qui voulait le maillot de Ronaldo, mais plutôt l'inverse, Ronaldo qui cherchait absolument le maillot de Jimmy Briand. On continue, il y a 9 ans, jour pour jour, c'était un 23 novembre 2014. Donc Léo Messi marquait son 252e but en Liga et devenait ainsi le meilleur buteur de tous les temps, je vous parle en Liga. Donc naturellement il a réussi un tour du chapeau, donc un triplé, ce match où il est devenu tout simplement le meilleur buteur de la Liga. Et il a terminé en Liga en Espagne avec plus de 474 buts. En tout, il a plus de 672 buts inscrits au FC Barcelone, toutes compétitions confondues. Mais en Liga, 474, il y a 9 ans jour pour jour, il dépassait Zara, qui était l'ancien meilleur buteur du côté de la Liga. Donc voilà, c'était sur un but comme ça. Donc félicitations, bien sûr, à Léo Messi, légende totale, bien sûr, du football. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec les dirigeants de l'Olympique Lyonnais qui ne seraient pas franchement rassuré par Fabio Grosso, aurait récemment songé à Jorge Sampaoli, qui a été licencié là, il y a quelques temps. Et du coup, il est libre, Sampaoli, et du côté de Lyon, parce que Grosso, pour l'instant, les résultats derniers, ça a été une victoire, c'est bien. Mais c'est toujours compliqué pour Grosso. Si les mauvais résultats continuent, il pourrait déjà de nouveau rechanger d'entraîneur et de Laurent Blanc avant. Il y a eu Grosso et pourquoi pas Sampaoli dans la saison qui pourrait débarquer du côté du banc lyonnais. N'oublie pas que c'est un ancien coach de l'Olympique de Marseille. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le futur After Zap Image. À demain.